Hollandais de Paris et à travers le monde. Je vous salue dans le saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais partager avec vous aujourd'hui une petite méditation que j'ai intitulée « Un déconfinement serein ». La méditation est basée sur le texte de Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 6, qui disent « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit « Je pars pour vous préparer une place ?» Quand je serai allé, vous la préparez, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez avec moi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ma méditation va essentiellement se baser sur « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Permettez que je commence par ce petit chant que vous connaissez très bien, de Isaac Debout. « Nier les onzons, quand les toyers sous avons à bord. Christo ou Tiani, Nia Bobo, les Tiouda Peto, Nami Jounie de Kouna. Oui, pour ceux qui n'ont pas accompli l'éveil, alors, ce chant veut dire que nous marchons sous la bannière du Christ et que nous ne craindrons pas la mort, car Christ a vaincu la mort. En cette période de pandémie liée au COVID-19, certains disent la COVID-19, donc à la COVID-19, les Français vont trancher, ce triptyque, le chemin, la vérité et la vie, est encore plus que d'actualité. Le chemin. En cette période difficile, les moyens de déplacement sont devenus une ressource très importante. Il en faut pour évacuer les malades vers les centres de soins. Il en faut pour approvisionner les hôpitaux et ces centres de soins. Il en faut pour approvisionner nos pays et nos villes, que ce soit en produits sanitaires, en produits alimentaires ou en masques, ouais, les fameux masques, ou autres produits vitaux pour les soins, ou juste pour survivre. Même les moyens de communication sont devenus des chemins. Il faut sensibiliser le peuple, il faut parler au peuple, et il faut que le peuple puisse adopter les gestes barrières. Donc, il faut trouver le chemin pour arriver et leur apporter cette nouvelle. La vérité. Que de vérité nous n'avons cessé de chercher en cette période de pandémie. D'où venait le virus? Comment s'en prémunir? Comment en guérir si on venait à l'avoir? Nous cherchons tellement la vérité que certains d'entre nous sont tombés même dans le panneau des fake news. D'autres sont devenus complotistes. Tout ça à force de chercher la vérité. La vérité est ici, dit-on, de la connaissance, et le peuple périt faute de connaissance, comme la Bible l'a dit. Les écoles, les universités, les chercheurs et les divers courants de pensée courent donc derrière cette vérité pour voir laquelle des vérités, puisqu'on en a plusieurs versions maintenant, pourrait leur donner le vrai remède contre ce COVID-19 ou cette COVID-19, chacun fera son choix pour l'article à utiliser. La vie.
troisième composante. La vie est assimilable à la santé et c'est ce que nous sommes tous en train de rechercher par les temps qui courent, avoir la santé ou préserver sa santé. Le système sanitaire, le système de sécurité sociale, entre autres, ont donc démontré toute leur importance et donc l'importance de la vie. On a besoin de multiplier le nombre des structures de soins, des structures d'accueil des malades, de doubler, tripler, quadrupler le nombre de lits dans certains pays, multiplier le nombre de respirateurs artificiels, former des médecins et tout, tout cela pour préserver et la vie, le chemin, la vérité et la vie en cette période difficile. Et voilà que Jésus nous dit que lui seul, il est l'ensemble de ces trois points vitaux. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il a la solution. Mais est-ce que nous avons assez confiance en lui, en cette période? Je vais vous raconter une petite histoire. En 1859, il y avait un équilibriste, un funambule ou encore, comment on les appelle, les gens du cirque qui marchent sur les fils. Jean-François Gravelet, qui était connu beaucoup plus sous le nom de Charles Blondin. Il a traversé les chutes du Niagara sur une corde de 330 mètres devant des milliers de spectateurs qui étaient enthousiastes. Et il a renouvelé cet exploit 17 fois de suite dans sa vie, en y ajoutant des variantes sur des échasses, en poussant une brouette avec un sac sur les épaules ou en faisant des sauts périlleux. Un jour, c'est ce qui se racontait, il s'est adressé à un spectateur dans la foule et lui a demandé « Croyez-vous que je puisse traverser avec un homme sur mon dos ?» L'homme a acquiescé avec enthousiasme. Et Blondin lui dit alors « Venez et montez. » L'homme refusa tout net. Il croyait bien aux capacités de l'équilibriste. Marcher sur le fil, il a répondu qu'il était sûr qu'il pouvait porter un homme sur son dos et le faire. Mais apparemment là, sa confiance n'est que théorique. Et donc il n'y avait pas d'implication concernant sa personne. Il n'était pas prêt à confier sa vie à Blondin. Est-ce que cet homme ne fait pas penser à nous? Qui chantons, oui, Jésus est le roi, oui, Jésus est le sauveur, oui, Jésus est capable, oui, Jésus est puissant. Mais quand arrivent les moments difficiles comme celle que nous vivons actuellement, notre foi tremble un peu. Nous ne gardons pas forcément totalement confiance en Christ face aux morts, face au désarroi, face aux problèmes que les médecins ont, face aux malades. Pourtant, nous appelons Jésus le sauveur du monde. Il est temps de renouveler cette confiance en Jésus. En ce temps où le déconfinement se généralise, alors même que la pandémie n'est pas encore derrière nous, faisons-nous entièrement confiance au Christ? Ah oui, il va en falloir. Parce qu'on sera dans les rues avec des masques, des gestes barrières, nous protégeant contre nos voisins. Il nous faudra de la confiance en Christ. Moi, je vous propose en tout cas deux options. Prier, avoir confiance en Dieu et adopter les gestes barrières. Ou encore, adopter les gestes barrières et prier, ainsi qu'avoir confiance en Dieu. Que celui qui a compris peut-être comprenne ce que je veux dire. Et comme on dit chez nous, Amessisi tolela, ne segnasi, bobola, le boblon. Je vous invite maintenant à prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ton infinie bonté envers nous. En ces moments de crise sanitaire, nous avons vu l'étendue de ta puissance. Nous te remercions pour les personnes en bonne santé, aussi bien que pour les personnes souffrantes
que nous te confions avec confiance. Nous te rendons grâce pour les personnes rappelées à toi en ces moments difficiles et aussi ceux et celles qui ont succombé par la pandémie qui accable le monde. Nous avons confiance en toi et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous te confions nos pays, nos proches et nos propres personnes en ce moment où le déconfinement s'installe malgré la présence de la maladie. Aide-nous à bien appliquer les mesures barrières et par-dessus tout, protège-nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. On a commencé par un cantique. Je finis encore par ce cantique dans lequel nous demandons à Dieu de nous pardonner la faiblesse de notre foi face à ces moments, à ces dieux. Fofonye toke, tonye mouvoke, ndro, o senye lido, do, eye na honam kaba, o senye lido, do, eye na honam kaba. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Quanto dormir?